Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, nous sommes en direct sur Inside Hill Climb. C'est le rendez-vous du jeudi. Je suis ravi de vous retrouver. On en a marre de cette situation. Alors on est vraiment, vraiment, vraiment content de se retrouver tous les jeudis. Je salue déjà toutes celles et ceux qui sont à nos côtés, qui sont nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. On va laisser quelques instants pour, je dirais, faire venir un petit peu tout le monde. Je salue Edouard, je salue Jérémy, je salue Bastien, je salue Manu qui sont déjà là. Notamment, n'hésitez pas, rejoignez-nous, on va passer encore une heure ensemble pour parler de course de côte et notamment de parler de la Clio Cup. Vous le savez, c'est justement le thème de la soirée. Salut à toutes celles et ceux qui arrivent. Je vous propose sans plus tarder de tout simplement vous dévoiler les invités de ce soir, même si vous les connaissez, vous les avez déjà vus bien évidemment sur nos réseaux sociaux. Vous le savez, ils sont au rendez-vous, ils sont là pile à l'heure, à 19h. Voilà, on est prêts, on est des gens sérieux et des gens ponctuel. Je vais vous présenter un petit peu tout le monde. On va commencer par un garçon qui n'est pas forcément revenu depuis 2019 en compétition. On va en reparler un petit peu avec lui. Il a été un des grands animateurs, notamment de la Clio Cup. Il est à ma droite sur l'écran. Il s'agit de Romain Billot. Salut Romain. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, comment ça va toi de ton côté? Ben, ça va, on fait aller. On attend qu'on puisse pouvoir enfin rouler. C'est ça, on survit en cette période. On a hâte de rerouler, effectivement, on a hâte de se retrouver. Mais le chef, il a dit que c'était pour bientôt. Là, il a parlé tout à l'heure, il a dit que c'était, il n'y avait plus trop. On espère, effectivement. En dessous de moi, sur mon écran, c'est un garçon qui a encore des records d'ailleurs en Clio Cup, un des très très gros animateurs des années 2010 en Clio Cup. Alors lui, il est parti en 2013, il nous le confiait tout à l'heure en off. C'est Jérémy Corsin qui est avec nous ce soir. Salut Jérémy. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, ça va, tu vas pas dépoussiérer trop de souvenirs là sur une émission course de côte, ça te fait plaisir de revenir un petit peu parmi nous? Ouais, non, franchement, merci beaucoup pour l'invitation, c'est cool. Je reparle quand même souvent avec mes proches et autres, donc c'est toujours bien, sympa de repartager les bons moments. Ouais. Et c'est sûr, c'est toujours dans un coin de la tête, j'imagine, même si bon, ouais, c'est compliqué, bien sûr. Toronto, c'est quand même un peu gravé. Ouais. Et c'est sûr, on comprend. Et puis enfin, on accueille celui qui a été l'un des deux gros animateurs, on va dire, de la Clio Cup en 2020, notamment avec justement la première place dans le Challenge Open A3. Il est partout en ce moment, le mec. Il est dans Autobdo, il est dans Inside Hill Climb. Le mec, il n'arrête pas, il fait la tournée, c'est incroyable. C'est Maxence Passaké qui est à nos côtés. Salut Maxence. Salut Pierre, salut à tous. Bon, ça fait quoi d'être une star, là, d'être dans tous les médias à la mode, là? Raconte-nous un peu. Ben écoute, très content. Bon. on a pu prendre un petit peu... se remettre un peu dans le bain de la saison qui va arriver, donc bien content. Exact. Cette saison, on va en reparler, bien sûr, parce qu'il y a quand même des notes d'espoir, on peut le dire, dans ce début d'année 2021 un petit peu morose. Et on va en parler tout de suite, puisqu'on va attaquer, comme traditionnellement, l'émission par les news du monde de la course de côte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? Alors, première information, bien sûr, elle est tombée cet après-midi. Je voulais quand même avoir un petit mot pour Charlie Carcreff qui nous a quittés. On a appris cette information tout à l'heure. Alors, j'ai retrouvé cette photo qui est à mettre à l'actif de Christophe Chen, que je salue, qui est toujours auteur de magnifiques photos et qui est en possesseur, on va dire, de très très belles archives de sport auto, course de côte rallye des années 80 et 90. Donc je me suis permis de lui piquer cette jolie photo. C'était visiblement à la finale de la Coupe de France des rallyes en 1992, et on le voit justement copiloté par Geoffrey. On a une pensée pour Geoffrey bien évidemment, et tous les proches de Charlie Carcreff qui nous a quittés, donc, et on a une pensée bien évidemment pour lui ce soir. Deuxième news, celle-là elle est pas très très drôle non plus, effectivement vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, l'annulation pure et simple de la course de côte de Bagnols-Sabran, 51e édition du nom, qui devait se dérouler initialement, vous le savez, début avril. Elle a été déplacée au mois de juillet, elle sera finalement annulée pour cette année 2021. Et on se retrouvera donc les premiers 2 et 3 avril 2022. Je vous ai mis le petit calendrier du coup modifié du championnat de France de la montagne, avec pour l'instant 9 courses en moderne et 10 épreuves, puisqu'on rajoute notamment Quillan et Lodève sur le championnat VHC. Donc le calendrier est à retrouver bien évidemment sur le site internet officiel du CFM Challenge.
Autre news concernant le calendrier, on va parler de la deuxième division cette fois, puisque on savait que la course de Côte de la Pommerie allait nous accueillir. En théorie, on croise les doigts pour la première manche du championnat de France de la montagne, ça sera le premier week-end de juin. Et donc, la course de Côte de la Pommerie qui intègre le classement de la deuxième division. Je vous ai mis là également le calendrier de la deuxième division à retrouver également sur le site internet officiel du CFM Challenge. Et puis, quatrième actu. C'était le week-end dernier du côté de Ecce Homo en République tchèque. Je vous ai mis la photo de la tribu petit avec toute l'équipe et il y a même le chien qui est sur la photo. Donc c'est vraiment toute l'équipe du team petit. Voilà, c'était simplement pour saluer les très très belles performances avec une deuxième, une troisième place notamment de Seb sur ce week-end dominé par Christian Merli. Très belle performance d'Axel et de Kevin également. Kevin découvrait la CN+, donc c'était pas n'importe quoi que de découvrir cette auto sur ce tracé. Voilà, petit message de salut pour la tribu petit. Voilà, on est de retour ici même avec nos trois invités. Je salue toutes celles et ceux qui sont à nos côtés, qui nous rejoignent depuis 19h en live ici sur Inside It Climb. On est avec Romain Billot, avec Jérémy Corsin, avec Maxence Passaquet pour parler de la Clio Cup. La Clio Cup, ça c'est une vraie catégorie. Enfin, nous dit Maxime Doja. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Maxence, ça va peut-être te parler. Hein, tu dois déjà croiser, non? C'est ouais, le mec un peu chiant qui est sous ton auvent là, tu sais, pendant que tu fais les courses là. C'est le gars qui gratte un peu, là. C'est celui-là. Allez, on va commencer cette émission. Vous le savez, vous allez passer pendant une heure sur mon grill. Messieurs, je vais vous poser toutes les questions que tous les fans de course de côte, évidemment, se posent. Et bien sûr, je le répète, je le précise, hein, pour celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions en live pour Jérémy, pour Romain, pour Maxence. Je les poserai directement à nos invités et ils vous répondront directement dans le live. Maxence, je voulais commencer par toi. On s'est quitté du côté de Bagnoles Savant, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cet hiver. Raconte-nous un petit peu comment tu te prépares à reprendre bien tout simplement le fil de la saison 2021. Oui, Pierre, en effet, la saison, l'hiver, disons, a été calme. On s'est bien reposé et puis là les beaux jours sont arrivés, donc ça nous a remis un petit peu un coup de punch et puis on allait rouler en karting un petit peu pour se décrasser un petit peu et puis avec Maxime d'ailleurs et puis voilà, là on rattaque doucement. J'ai fait des essais mardi avec la Clio pour voir si tout allait bien. Et puis pour la doper un peu sur le circuit de Pouilly en Auxois, donc on l'a décrassé, disons. Cool, avec une petite séance d'essai avec Maxime, avec un certain Stéphane Martinet aussi, hein, si je... C'est ça, ouais, il y avait tout le monde, on a retrouvé les copains, donc c'était super, avec Nico aussi qui nous a fait des belles photos, donc top. C'est ce que j'allais dire, photo à retrouver sur la page de Nico, de Nicolas Millet, qui nous a dit, là, il y a des artistes, en parlant du casting de ce soir. Hein. Il nous regarde, il nous surveille, on ne va pas dire trop de conneries. Romain, ma deuxième question, elle est pour toi. Alors toi, je le disais tout à l'heure en intro, on s'est quitté en championnat de France de la montagne en 2019, avec notamment quelques belles performances. On pense au Mont d'Or, hein, notamment, ça s'est plutôt très très bien passé. 2020, tu n'étais pas avec nous en 2020. Raconte-nous un petit peu, ça doit démanger hein, depuis 2019, non, on imagine? Ouais, ça commence à faire un peu long quand même, là. Donc on espère que ça reparte un peu à la normale. Qui est des gens, des spectateurs pour nous voir rouler, parce qu'à huis clos, c'est bien 5 minutes, mais je pense que c'est un peu spécial quand même. Ouais, c'est clair, c'est une autre ambiance. Bon, je ne sais pas si on testera cette année, on n'a pas vraiment toutes les infos, tous les tenants, les aboutissants. C'est pas encore, ouais. On ne sait pas, c'est une expérience. En tout cas, je ne suis pas forcément très motivé à l'idée d'être speaker d'une course avec personne, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ils le font bien au foot et tout, donc bon, on pourrait le faire en course de côte. Hein, au final. Il y a un début à tout. Hein. C'est ça, il y a un début à tout. Faut bien tester de nouvelles choses. Jérémy, justement, je vais te demander si toi, ça ne te démangeait pas un petit peu aussi, parce que ça fait quelques années maintenant que tu t'es arrêté. Il y a déjà Charlie qui nous demande si un retour de Jérémy un jour en CFM pour faire claquer des nouveaux records est permis. Bon, il y a le boulot, tout ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en considération, mais malgré tout ça, on imagine quand même que ça doit te trotter dans un coin de ta tête. Je pense que tu aimerais bien, j'imagine, avoir la possibilité de revenir de temps en temps. Ouais, c'est sûr que ça me trotte. J'ai réfléchi pour essayer de
de s'harmoniser avec le boulot et de pouvoir faire une course ou deux que je connais bien, comme j'ai pu le faire en 2013, où j'avais fait que deux, trois courses. Après, voilà, pour le moment, je n'ai pas l'opportunité, je n'ai plus de voiture. Donc, si on peut trouver un moyen, je pense que j'essaierai, ouais, sans problème. Ok, cool. Parce que c'est vrai que quand on a publié l'affiche de l'émission, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont commenté et qui ont partagé pour savoir si Jérémy Corsin allait nous annoncer son retour en compétition. Alors, ce n'était pas le but hein, de l'émission. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être une brèche hein, si jamais il y a une possibilité, si jamais ça peut se mettre en place. Alors, avant justement de rentrer dans le vif du sujet, puisque ce soir, le but du jeu, c'est de parler de la Clio Cup, hein, vous le savez, voiture que vous avez, même si ce n'était pas exactement les mêmes spécifications pour chacun, vous l'avez toutes pilotée, vous en êtes pour certains encore pilote. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur vos parcours, puisqu'il y a peut-être des gens qui vous découvrent à l'occasion de cette émission. Maxence, tu peux nous faire un petit topo depuis quand tu as commencé la compétition? Raconte-nous un petit peu tout ça. Ouais. Alors la compétition, je l'ai commencé directement en rallye en 2017. Donc on s'est engagé avec. C'est une histoire copain avant tout. Donc on s'est engagé avec Maxime. Sur nos premiers rallyes en challenge N2S. Donc, j'avais fait un peu de karting depuis mon plus jeune âge, en loisir hein, complètement. Et puis, ça a commencé du coup en rallye avec la 206 N2S sur le challenge N2 série. Donc voilà, on a fait deux rallyes, le rallye de Bagnoles. Et puis le rallye de Fayence. Donc, on a fait ces deux rallyes-là. C'était juste magique de commencer la compétition en sport auto, même si l'auto n'était pas une grosse auto. Mais c'était top de partager ça avec Maxime. Et puis après, Maxime étant féru de course de côte, il m'a embrigadé là-dedans et puis voilà, on a commencé en 2019 avec une course de côte régionale et puis on a fini à Limonest en fin de saison 2019 sur le championnat de France. Ah, c'était Coligny, c'est ça. Il m'a donné de belles idées pour 2020. Ta première course, c'était Coligny, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est ça exactement, c'est okay. Ça. Ok. Et 2020, donc la belle bagarre hein, qu'on a vue avec Maxime effectivement et le challenge à la fin de la saison. Exactement. Romain, tu veux nous faire un petit retour aussi sur ton parcours, justement. On nous dit d'ailleurs, Romain, avec le drapeau, la classe, bisous mon poteau. Ça, c'est David. David Guillermin. Voilà. Je transmets les messages. Salut, David. Si vous vendez une bagnole, les mecs, allez-y. Hein. C'est bon, c'est le moment. Je transmets tous les messages. Non, Romain, vas-y, on te laisse présenter un petit peu ta carrière. Vas-y. Bah moi j'ai baigné dedans on va dire tout petit parce que mes parents ils m'emmenaient sur les courses championnat de France la montagne là tout petit et après en 2007 j'ai ouvert un blog pour des vidéos de courses de côte rallye qui s'appelait Montagnard Fou pour ceux qui connaissent et après en 2016 Bagnoles Sabre en 2016 j'étais avec Steve donc là c'est pas un bon souvenir après j'étais plus trop motivé pour aller voir des courses pour filmer tout ça. Et c'est tous les copains qui m'ont un peu boosté. Et puis, décembre 2016, j'ai acheté la Cup pour commencer en 2017. Ok. Donc, c'est parti de là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Justement, je voulais te poser cette question. Montagnard Fou, du coup, c'est quelque chose que, je sais pas, tu aurais envie de relancer là, aujourd'hui. Ça serait un truc qui te brancherait, ça. C'est très long. Parce que j'ai beaucoup de demandes pour envoyer les vidéos, ça c'est extrêmement long. Je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte le temps que ça prend. Donc, c'est ouais, peut-être 2-3 courses si je roule pas, mais sinon reprendre comme avant, c'est trop compliqué maintenant. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait énormément de contenu et tout, c'était costaud, quoi, mais c'est un rythme important. Quasiment tous les week-ends avec Nico, j'étais sur une course. C'est ça, c'est ça. Et ouais, non, mais c'est clair, c'est beaucoup de boulot. Jérémy, parle-nous un petit peu de ton parcours à toi. Raconte-nous comment tu es arrivé en sport auto et en course de côte, justement. Le parcours, il est un peu, on va pas dire atypique, mais pour tout savoir, j'ai commencé avec Fabien Bourgeon en karting.
On s'est connus, moi, mon père, toujours passionné de voiture, m'a acheté un kart pour le loisir et autres. J'avais essayé motocross, quad, c'était hors de question. Et du coup, à Escaval d'Aussonne, à Mâcon, me retrouver du même âge que Fab, on est devenus super potes. Et puis, bah, Dan, avec son père, qui me disait, mais il faut venir faire des courses. Et on a commencé comme ça, en karting, jusqu'à 2007, 2008. Donc, on a fait un peu tous les échelons jusqu'au 125 à boîte. Et puis après, j'ai eu un petit moment de temps mort. Et puis c'est là où Fab s'était quand même bien mis dans la construction du tracking. Je suivais pas mal son père quand il a fait le retour avec la 320 Super Tourisme. Donc du coup, bah, mis dans la course de côte. Et puis après, on a acheté une voiture, la Clio. Au début, c'était pareil que du loisir. Et puis après, une ou deux courses en régional. Et puis tout de suite, les manches. Proche de chez nous, quoi, Beaujolais. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc, grâce à ou à cause, je sais pas, tu vois ça comme tu veux, mais en partie à Fab, hein. Ouais, non, c'est sûr. C'est une longue histoire entre nous. Ouais. Du Bon, coup, on c'est cool. suit en tant que kart qu'en voiture. Bon, maintenant, ça a bien changé, mais ouais. Bah, disons que c'est un autre step que la Clio, hein, Ah oui, non, c'est clair. sans vouloir critiquer la Clio, loin de là, parce que c'est une très très belle catégorie justement, et on en reparlera dans quelques instants. Tiens, je voulais juste, avant de vraiment à nouveau parler de ce sujet, faire un petit focus notamment avec toi, Maxence, sur ton année 2020, qui était en réalité en fait ta première saison en tant que pilote officiel CFM Challenge. C'était ta première saison complète, même si bon, le format était certes un petit peu particulier. Quel est le bilan que tu tires toi à l'issue de cette saison où vous êtes bien tiré la bourre avec Maxime qui prend le meilleur jeune, toi le A3. Quel est le bilan que tu tires justement à l'issue de ces trois manches de 2020? Bah, cette année 2020, elle était pour moi vraiment enrichissante, même si elle a manqué un peu de contenu. C'était la première fois en effet que je m'engageais dans un championnat officiel en sport automobile. Donc c'est toujours un moment un peu spécial où on est vraiment impatient de se lancer dans la première course. Et puis voilà, tout s'est bien déroulé. On avait acheté une voiture du coup l'année d'avant. Donc hâte de se lancer sur cette année 2020. Et puis voilà, on a découvert des magnifiques courses, le Mont d'Or, Turkheim et Bagnoles. Donc on a vraiment adoré l'ambiance du championnat aussi. J'ai découvert et connu plein de personnes du coup. Donc c'était super. Et puis on a fait, voilà, au niveau sportif, de belles performances aussi. Je pense qu'on s'est monté en puissance avec Maxime, vraiment en se tirant la bourre, hein. C'est vraiment le mot. Et puis voilà, il y avait quand même du monde en Clio Cup sur chaque épreuve. Donc c'était super de pouvoir batailler comme ça. Et puis voilà, je pense que j'aurais jamais été aussi performant si j'avais pas eu une concurrence féroce aussi en face de moi. Donc c'était super et je remercie ceux qui sont venus sur ces courses 2020 parce qu'on s'est vraiment amusé et ça m'a permis de passer un petit step aussi dans mon pilotage. Donc bien content de cette année 2020. Bon, cool, effectivement. On remercie hein, tous les animateurs de la classe A3 qui sont venus te rendre la vie un petit peu difficile en 2020, parce qu'on a passé effectivement un super moment. Tiens, j'ai une petite question pour toi, Maxence, de la part de Oui. Jérôme Jany, hein, bien sûr, qui nous demande alors du coup, est-ce qu'il y aura que de la cote ou pas en 2021? Apparemment, ça a l'air. Ça a discuté entre vous, là. Là, il y a embrouille. Il y a Ouais, embrouille. on a bien échangé avec Jérôme parce que lui aussi, il a de beaux projets en perspective pour 2021 et c'était des projets qui me tentaient bien de le rejoindre en rallye avec la nouvelle Clio. RC5, donc ouais, on était bien chaud sur cet hiver à essayer de trouver des partenaires pour ce projet et puis pour essayer de faire quelques manches en championnat de France des rallyes. Et puis voilà, en fonction de tout ce qui s'est passé, de la tournure que ça a pris,
Je me suis pas, je me suis pas pleinement non plus investi là-dedans. Et donc, du coup, cette année, on revient avec, avec la Clio Cup sur le championnat de France. Et puis si j'ai l'occasion de, d'aller faire quelques manches en rallye, je le ferai avec grand plaisir. Je pense que ça va être compliqué sur cette année 2020, mais c'est sûr, avec le Lyon Charbonnière qui était proche de la maison, j'aurais franchi le pas pour venir sur cette épreuve. Après, maintenant, voilà, il est annulé. Donc, on va se concentrer sur le championnat de France de la montagne en 2021. Et puis pourquoi pas en 2022, retrouver Jérôme qui aura quelques rallyes avec la Clio dans les pattes et pouvoir passer des bons moments tous ensemble. Bon, c'est cool, le rendez-vous est pris, effectivement, on salue, hein. C'est vrai que nos amis du rallye aussi sont un petit peu impactés par tout ce qui se passe, et on salue nos amis de la Zaronne qui doivent malheureusement tirer un trait à nouveau sur le charbon, superbe, superbe épreuve, on espère que pour eux, ça pourra le faire rapidement. Romain, alors, j'aimerais te poser la question suivante, même si effectivement, tu n'étais pas là en 2020, est-ce que tu as quand même comment dire, un prévisionnel en tête de 2021, ou est-ce que, à défaut d'avoir un prévisionnel d'acté, tu avais quand même pour projet de venir sur certaines courses, c'était déjà plus ou moins décidé dans ta tête pour 2021. Pour le moment, j'ai rien de prévu. Moi, il n'y a qu'une chose qui me motive, c'est si le UAF a lieu, c'est tout. Après, D'accord. le reste, rien n'est défini, quoi. Ok. C'est ma seule barrière, quoi. Si le UAF est annulé, je prends pas de licence, je fais rien. Sinon, c'est à la maison, je suis obligé de rouler, quoi. Bon, ok. Et du coup, ViaFa, on appellerait d'autres, j'imagine. Après, s'il reste à lieu, pourquoi pas Turkheim, pourquoi pas Limonest, si je peux enchaîner aussi. Après, si j'ai la licence, je peux enchaîner, quoi. Ok. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu, quoi. Bon, ok. Et justement, si effectivement on parlait de Turkheim et compagnie, quelles sont les courses toi que tu aimerais faire là, justement, si ça pouvait se mettre en place selon le calendrier qui est évidemment aujourd'hui celui qui est en cours, quoi. Après, enchaîner sur le Mont d'Or si le planning le permet avec le travail. Et après, Turkheim, pourquoi pas Limonest, enchaîner les deux. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Beau programme. Toi, Jérémy, bon, on va pas te demander quel est ton programme pour 2021, hein? Ça va être compliqué. Mais justement, toi, un petit peu comme Romain, si demain, là, tu avais possibilité, tu avais une opportunité de rouler et que tu avais l'opportunité de choisir les courses sur lesquelles tu pourrais venir rouler, qu'est-ce que tu prendrais instinctivement? Quelles seraient les épreuves qui te viendraient à l'esprit? Sans parler de planning, je pense que ça serait le Col Saint-Pierre, Mont-d'Or et Beaujolais, ouais, je pense. Ok. Même Vuillafans. Au final, il n'y a pas une course que je n'ai pas aimée. Une où j'ai vraiment été en difficulté, c'était Limonest, où j'ai eu du mal à me faire retracer, hein, concrètement. Mais par contre, ouais, tout le reste, le Mont-d'Or, c'est quand même un mythe. Hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, on en reparlera tout à l'heure. Effectivement, souvent, le peloton des Clio Cup est très, très, très volumineux. Ouais. Dans cette épreuve, effectivement. Alors, on va parler justement du sujet quand même, parce que je ne vous ai pas fait venir pour trier les lentilles, les mecs, hein, je vous ai fait venir pour parler de la Clio Cup, que vous connaissez bien. J'aimerais simplement qu'on parle cette fois-ci à des gens qui découvriraient la Clio Cup, qui ne savent pas ce que c'est, et qui sont tombés comme ça par hasard sur notre émission. Bah, on les salue, hein, si, voilà, c'est ces gens-là. Comment vous présenteriez-vous la Clio Cup à quelqu'un de complètement néophyte dans cette discipline? Comment vous pourriez la présenter, cette voiture, que ce soit en termes de châssis, que ce soit en termes de boîte, que ce soit en termes de moteur, comment on pourrait l'expliquer à tout un chacun, Romain? Bah, on peut déjà dire que c'est une voiture d'usine créée par Renault Sport. Donc, c'est déjà un bon point. Un châssis de fou, c'est incroyable. C'est tout léger, une boîte séquentielle, c'est vraiment un bonheur. Comme je dis, c'est une voiture d'usine, c'est pas une voiture créée par quelqu'un. On ne sait pas si ça va marcher ou une casse mécanique, tout ça. C'est important de le préciser. Mais ouais, c'est vraiment un bonheur, quoi. Cette voiture, je pense, pour débuter en course, je pense que c'est la meilleure des choses. Ok. Toi, tu la vois comme l'étape numéro un, on va dire, pour entrer Je en pense, ouais. compétition. C'est
ça n'a pas non plus trop de chevaux, ni pas, pas assez. Donc, pour moi, c'est le bon compromis, je pense, pour okay. commencer. Ok. On précise hein, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc, toi, tu es en Renault Clio Cup 2, phase 2, du coup. Oui, hein, phase 2, oui. Puisqu'il y en a plusieurs. Alors, dans la catégorie A3, du coup, dans la classe A3, il y en a 3, justement, des générations. Et on reparlera, évidemment, de ces autres autos. Jérémy, qu'est-ce que tu pourrais ajouter, toi, au témoignage de Romain? Comment tu qualifierais cette voiture, même si tu ne l'as pas pilotée depuis quelques années, mais tu l'as quand même bien fait de bourlinguer, hein, cette voiture? Ouais, bah non, c'est vrai, comme disait Romain, c'est quelque chose de fiable qui a fait ses preuves en circuit. Nous, on n'a jamais eu de soucis. Et après, en termes d'adaptation, en fait, on peut vraiment y aller progressivement et par palier jusqu'à aller faire claquer des temps qui sont plus qu'honorables au milieu de certaines autres voitures. Donc, je pense qu'en voiture fermée, ouais, c'est une vraie petite auto de course légère et qui permet de faire de super choses, hein. Que ça soit sous la pluie ou sur le sec, c'est juste magique, quoi. Ok, cool. Alors, toi aussi, Jérémy, tu as notamment roulé avec une Clio Cup 2, hein, enfin une Clio 2 Cup, pour être tout à fait exact, comme Romain. Maxence, toi, du coup, tu disposes de la version un petit peu plus évoluée, de la Clio 3 Cup. Maxime, ton coéquipier, du coup, lui, il est au volant d'une 2 Cup. Tu peux nous expliquer un petit peu les différences, selon toi, entre la 2 et la 3, justement? Ouais, pour avoir quand même essayé la voiture de Maxime, c'est vrai que ça reste quand même une base quasiment identique. Il y a quand même quelques différences. La Clio 2 Cup, ce qu'on pourrait dire de principal, c'est qu'elle est quand même un peu plus légère que la Clio Cup 3. Elle a quand même un peu moins de puissance, mais en course de côte, c'est une voiture qui a prouvé qu'elle était vraiment compétitive, la Clio Cup 2, de par sa légèreté et qu'elle puisse vraiment avoir une aisance dans le serré, etc. Après, la Clio Cup 3 a un châssis un peu plus évolué, donc c'est une voiture qui est remarquable dans le rapide. Là, on a pu voir à Turkheim que c'était assez difficile pour Maxime de suivre le rythme de la Clio 3, même si ses talents ont parlé quand même sur cette épreuve. Mais c'est sûr que c'est une voiture qui est un peu plus évoluée en termes de châssis et qui esthétiquement aussi a quelques années de plus, quoi. Donc, un peu plus évoluée. C'est pour ça que vraiment, cette Clio Cup 3, moi, m'a toujours tapé dans l'œil depuis qu'elle était sortie. Donc c'était indispensable d'avoir une belle voiture qui me plaisait. Okay. Voilà. Ok. C'est vrai qu'à première vue, visuellement, la 3 Cup fait un peu plus voiture de course, entre guillemets. Hein, je dis un peu plus parce que la 2 Cup a vraiment l'allure de la Clio 2 de série, on va dire. Enfin, elle a la même carrosserie, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que la 3 Cup commence à être un petit peu plus évoluée niveau allure sport auto, avec le béquet à l'arrière, justement, avec tout un tas de petites choses. Donc, et puis, c'est vrai aussi à l'intérieur, moi, pour être rentré un petit peu dans deux de ces autos. Alors, je ne les pilote pas, hein. Je vous rassure, messieurs, je vais pas faire tomber vos records encore pour le moment. Ne vous inquiétez pas, c'est pas prévu. Mais c'est vrai que à l'intérieur, on a un aspect un petit peu plus racing, hein, dans la Clio 3 Cup. Maxence, tu peux nous le confirmer, je pense. Ouais, complètement. C'est vraiment ça qui m'a orienté sur cette voiture, parce que j'aime bien vraiment être dans une auto qui me plaît. En effet, la Clio Cup est un peu plus un peu plus d'années que la Clio 3, donc ça va, ça va dans la continuité, et c'est vrai que cette Clio Cup 3 ferait vraiment voiture de course. Ouais, je vois. Question pour tous les trois que je me posais: est-ce que vous pensez justement que là, sur les prochaines saisons, on va dire, dans le groupe A, la Clio 2 Cup soit toujours potentiellement capable de jouer la gagne? On l'a vu avec Maxime, on l'a vu notamment l'année dernière avec Stéphane Martinet également en 2019. Vous pensez tous les trois que la 2 Cup peut rester encore une arme fatale, on va dire, en,
dans la classe A3, Jérémy? Je pense, ouais. Moi, j'ai essayé la 2, la 3 et la 4 sur circuit. Bah, pas en côte, mais c'est vrai que je pense que la 2 peut encore tirer son épingle du jeu vis-à-vis de son poids, comme tu disais, Maxence. Je pense qu'on peut encore aller chercher quelques points. Ouais. Okay. Je t'avoue qu'il y a certains tracés, des fois j'y ai réfléchi, je ne sais pas trop où je pourrais en gagner. c'est vrai que, non, il y a. Du fait de son agilité, ouais, je pense que ça peut être ça. Ouais, ok, donc peut-être tous les tracés type Limonest, Bagnoles, ce genre de choses, c'est un peu plus serré, elle peut tirer son épingle du jeu. Romain, tu partages le même avis que Jérémy? Oui, je pense que suivant les tracés, la 2 est plus avantagée que la 3, et puis inversement, des fois, quand c'est plus rapide comme le Turcaïm, la 3 avec le châssis est mieux, mais je pense que la 2 peut encore se battre avec la 3, et tant mieux, hein. Ouais. Tant mieux. Ah bah ouais. Alors tant mieux pour vous, mais moins pour Maxence, du coup. Oui. Hein. Oui. Parce que du coup, il peut y avoir un petit peu de concurrence. Question que je voulais vous poser également, les amis. Pourquoi vous avez choisi en fait de passer sur cette auto? Pourquoi pas, avoir choisi une autre auto? Jérémy, tu nous parlais tout à l'heure de Fab qui était en train de construire le tracking. Pourquoi tu n'es pas parti en CM, par exemple, et pourquoi tu as choisi justement plutôt de t'orienter vers la Clio Cup à un moment donné dans ta carrière? Bah, c'est vrai que pour revenir un peu à Fab, le projet du CM n'était pas tout à fait abouti non plus pour le moment. Moi, je sortais vraiment du karting pur. On avait offert un peu de roulage circuit avec mon père. On avait juste une Mégane RS de classique, hein, de série. Hein. Et la question s'est posée parce qu'on roulait sur les pneus de série, ça devenait un peu compliqué. Et du coup, on a eu cette opportunité d'acheter cette voiture. Et puis moi, j'étais toujours fan de Clio Cup. On avait même regardé la sortie du karting pour essayer de faire une saison en Clio 3 Cup. Clairement, les budgets sur totalement autre chose. Et donc, nous, ce n'était pas possible. Donc, on a eu l'occasion d'acheter cette Clio 2. Et au final, l'opportunité s'est bien trouvée. Après, c'est vrai que j'ai pas pu continuer pour d'autres raisons, mais la suite aurait été soit de rester en voiture fermée ou de partir en CM. En tout cas, la chose qui était bien en Cup, c'est que tout le temps, on se retrouvait minimum 10 voitures, quoi. Et y avait de la bagarre à tous les étages. Il y avait toujours 2-3 personnes avec qui se bagarrer ou on se bagarrait dans les 5 dixièmes de seconde sur une montée, quoi. Donc, tout le monde y a retrouvé son compte et ça, je trouve que c'est plaisant pour tous. Il y a de la bagarre et ça nous pousse dans nos limites. Donc c'est vraiment bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors justement, c'est un petit peu la question que je voulais vous poser à tous les trois, mais je vais te la poser, Jérémy. Moi, personnellement, je trouve que la Clio Cup, pour ces raisons-là, pour tout ce que tu viens d'évoquer, c'est une des plus belles classe, en tout cas en course de côte, parce que ça se bagarre tout le temps. Alors moi, je prends du plaisir effectivement à la commenter, mais je pense que le spectateur lambda prend aussi beaucoup de plaisir à suivre les écarts qui sont infimes avec le gros peloton de Clio Cup. Jérémy, pour toi, d'un point de vue, du coup, c'est intéressant parce que ta réponse va être intéressante vu que tu es maintenant côté spectateur, on va dire, on peut dire ça comme ça. D'un point de vue spectateur, justement, on peut retirer ce que tu penses que la Clio Cup, comme moi je peux le penser, est une des classes les plus sympas à suivre, en tout cas en course de côte. Bah, c'est sûr, parce que on a tous, hormis la différence de Clio 2, Clio 3, on a tous les mêmes voitures. Donc, la différence se ferait vraiment au pilotage, un petit réglage qui nous convient mieux, mais après, c'est le sprint de la côte qui part. Donc, pour ça, c'est hyper intéressant. Hein. Ok. Ok, ok. Tiens, et puis j'ai une question pour toi, Jérémy, de la part de Maxime Doja qui nous demande le Mont d'Or. Jérémy, t'es passé par où? Alors, dis-nous tout. Ouais, c'est sûr que, non, quand je suis arrivé en haut et que j'ai vu le temps sous les 3 minutes, je t'avoue que moi-même, j'étais surpris. Après, je savais que il y avait vraiment de bonnes conditions et que ça pouvait le faire, mais j'étais agréablement surpris. Et quand je regarde encore la caméra, je l'ai regardé récemment, là,
Sincèrement, là, demain, tu me mets au Mondeur, je ne serais peut-être pas capable de le Ouais. refaire. Ouais, il y a tout un contexte aussi. C'est vrai qu'il y a, voilà, il y a une alchimie Ouais. avec la voiture, il y a une météo qui va bien, il y a une température de piste aussi qui y joue. Mais c'est vrai que c'est là on commence à parler de sérieux chrono, quoi, parce que Ouais, en dessous des bah, c'est sûr trois. que. Bah, puis après, il y avait un peu le contexte aussi de bah, on roulait quand même beaucoup à cette époque. Et puis, bah, les reconnaissances. À chaque fois, je reconnaissais avec Fab, Nico Schatz, Vincent Cognot en F3 qui avait gagné en 2012, avec qui on était tout le temps. Je veux dire, c'est pas dire on y met de bitume tous les soirs pendant des heures, mais je veux dire, on travaillait vraiment ensemble et malgré qu'on soit dans des disciplines différentes, j'ai su tirer un peu parti de chaque endroit et je pense que c'est pour ça. Eh oui, bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, tu étais formé à la bonne école. Voilà, voilà le secret de la réussite de ce chrono un peu lunaire. Ouais. Maxence, alors tu nous as expliqué pourquoi justement tu avais choisi toi la Clio Cup pour toutes les raisons que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, alors là pour le coup c'est plutôt vu de l'intérieur, est-ce que tu penses que aujourd'hui la classe A3 et la Clio Cup justement fait partie des catégories les plus attrayantes en course de côte? Ouais, complètement. Moi, à la base, c'est vrai que j'aimais beaucoup les voitures fermées. On a toujours été fan de rallye, fan de voitures fermées. Et c'est sûr que bah, pour débuter, hein, sachant que c'était ma première saison en 2020, bah, on s'est dirigé vers cette voiture qui, comme le disait Romain, est une voiture d'usine quand même. Donc, niveau fiabilité et niveau entretien à faire sur la voiture, c'est quand même pas trop compliqué. Moi, je suis pour ceux qui me connaissent, diront pas le contraire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup piloter, mais qui n'a pas forcément d'appétence à la mécanique, tout ça. Donc c'est sûr que la Clio Cup, bah, voilà, c'est un produit, si on peut l'appeler comme ça, qui est vraiment super pour ça. On monte dedans, ça marche tout le temps. Donc, une vraie voiture d'usine avec une vraie âme. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé avec cette voiture et que je pense que la voiture, en effet, la Clio Cup, reste quand même une voiture phare de la course de côte en voiture fermée. Après, c'est vrai que là, avec Maxime, je vais pouvoir découvrir un peu plus la catégorie sport et la catégorie CM par rapport à ce qu'il va faire, parce qu'on va être ensemble sur les courses aussi. Mais c'est vrai que c'est une voiture que je recommande à tous, hein, parce que vraiment, elle dégage énormément de plaisir dans la voiture déjà. Et puis, comme disait Romain, c'est une voiture qui permet de s'améliorer et puis qui fait pas trop de qui a pas trop de puissance non plus. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une voiture que je recommande pour tous ces aspects-là. Ok. Donc si quand même je lis entre les lignes de ce que tu viens de nous dire, Maxence, il se pourrait quand même que selon les perfs de Maxime, selon un petit peu ce que ça dit, on retrouve quand même en côte, mais plutôt catégorie sport, hein? C'est un peu ça que tu m'as dit quand même. Non, c'est aujourd'hui, je suis ouvert à évoluer aussi, hein. Je pense qu'on est tous pareils, hein. Quand on a connu une catégorie, qu'on s'en est bien sorti, bah, voilà, en tant que compétiteur, moi, je me mets toujours une barre un peu plus haute et j'aimerais, voilà, avoir une voiture peut-être plus puissante, découvrir d'autres choses. Donc, mardi, j'ai eu la chance de pouvoir monter dans le trekking de Maxime. Donc, j'ai fait quelques tours de piste. Bon, je l'ai moins fait gueuler que lui, hein, au final, hein. Dès que ça approchait les 12 000 tours, ça me faisait déjà un gros ronronnement dans l'auto. Mais ouais, c'était super. Et puis voilà, ça ouvre des perspectives. Après, que ce soit en CM ou dans une autre catégorie, voilà, si on va de l'avant. Avec le championnat de France de la montagne, bah, ce sera avec plaisir qu'on montera dans des voitures peut-être un peu plus compétitives
et plus puissante. Voilà. Bon, bah écoute, affaire à suivre. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Romain, même question alors que celle que je posais initialement à Jérémy et à Maxence. Alors déjà, d'une part, pourquoi toi tu as fait ce choix-là, effectivement, et surtout, est-ce que toi aussi tu penses que la Clio Cup, c'est une des catégories les plus plaisantes à suivre, en tout cas en course de côte? Alors moi, je suis parti sur la Cup parce que déjà, niveau budget, c'est très raisonnable. Parce qu'on oublie quand même que la côte, c'est un sport assez cher, quoi, le sport automobile en général. Tiens, petite parenthèse, juste pour celles et ceux qui nous écoutent. Une 2 Cup d'occasion pour démarrer, ça sort à peu près à combien en termes de budget? Là, maintenant, entre 18 et 22, suivant les modèles. Ok, ce qui reste relativement raisonnable si on veut une c'est assez, voilà, oui. Et comme ça va garder de la valeur. Ça, oui, les Clio 2 montent en valeur. Ok. Ouais, c'est sûr. Comme disait Maxence, moi je suis un peu comme lui, il n'est pas le seul. La mécanique et moi, ça fait un peu deux. Donc la Cup, c'est bien pour ça aussi. Il ne faut pas faire. Moi, je fais cambrayage tous les 15 courses. Après, une vidange tous les ans, machin. Mais sinon, c'est pour ça que c'est bien, quoi. Ça reste voilà, une voiture de course quand même, une vraie voiture de course. Donc c'est très plaisant. Ok. Donc on note, si un jour vous crevez sur la route, si vous tombez en panne, vous avez les voyants qui s'allument, n'appelez ni Romain ni Maxence, ça ne sert à rien. Vous allez rester planté au bord de la route. C'est pas la peine. Allez, il est 19h43, les copains, on va aller progressivement vers le terme de cette émission. Je vais juste vous poser deux petites dernières questions. Alors, ça va surtout concerner Maxence, puisqu'il est impliqué pleinement aujourd'hui dans le championnat de France de la montagne. Je vais commencer par toi, justement, Maxence. Quel serait ton avis, en tout cas, si la saison 2021 venait à ressembler d'un point de vue organisationnel à la saison 2020 qu'on a vécue, avec des meetings doublés et avec justement tout ce qu'on a pu voir en 2020? Ouais, bah, écoute, Pierre, c'est vrai que l'année 2020 a été quand même intense, parce que c'est vrai que quand on arrive sur un week-end de course et qu'on n'a jamais mis les pieds sur cette course, c'est pas forcément évident d'être tout de suite le lendemain matin dans la course. Hein. Donc, c'est vrai que ça rend un peu plus complexe, disons, l'appréhension du circuit, enfin de la course et de son tracé. Il faut tout de suite être bien concentré le vendredi quand on arrive sur la course. Si on peut venir le jeudi, c'est très bien, mais on n'a pas toujours cette chance. Donc le vendredi, il faut tout de suite être concentré sur les reconnaissances. Hein. C'est la clé du succès, hein, pour en tout cas ma part. Et puis voilà, donc cette double course, par contre, a des énormes avantages. C'est qu'elle rend vraiment attrayante tout le week-end la course. Et puis vraiment, voilà, pour les spectateurs, c'est super. Donc on espère qu'ils seront nombreux cette année. Mais en tout cas, c'est un format qui m'a vraiment plu sur cette année 2020, d'avoir deux courses dans le week-end. Après, voilà, je ne connais pas forcément à Paris-Limonest le système de la course le dimanche avec le cumul. Donc à Limonest en 2019, j'étais pas du tout compétitif, hein, pour rivaliser avec Stéphane, avec Élie et Maxime à l'époque. Je découvrais vraiment la voiture en version course de côte. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'avis par rapport à ça, même si j'ai beaucoup aimé le format des doubles courses dans le même week-end. Ok. Donc si ça venait à se reproduire, potentiellement, tu serais client, quoi. Tu signes. Ouais, complètement. Tu signes le bon de commande. Bon, ok, ça marche. Romain, Jérémy, d'un point de vue un petit peu plus extérieur, je dirais, pour ce qui concerne Romain notamment. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette version 2020 du championnat avec ces meetings regroupés en un week-end? Jérémy, quel a été ton avis sur la question? Parce qu'on imagine que tu as suivi quand même ça de très près. Ouais, c'est sûr, j'ai suivi ça de près. Moi, je trouvais ça très intéressant aussi, comme disait Maxence. Bon, ça, déjà, point de vue spectateur, moi, je suis venu sur bagnole pour soutenir un peu Fab et autres. Et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais parmi les,
Et puis sur une course, et franchement, j'ai trouvé ça top parce que c'est vrai qu'il y a, il y a tout de suite de l'attrait dès le samedi. Ça oblige à être dedans tout de suite. Et ce n'est pas un peu une journée off où on se dit, bon, on peut prendre ses marques tranquille. Non, c'est vraiment attrayant. Et je pense que d'un terme de point de vue budget pour l'ensemble de la championnat, ça pourrait presque s'inscrire sur la suite à, genre, à réduire les nombres de courses et après à faire tourner les courses. Et après, c'est des sujets à réfléchir, mais moi, je trouvais ça très attrayant et top, quoi. Ouais, c'est sûr, d'un point de vue budget, on sait que c'est parfois compliqué d'aller aussi bien dans l'ouest que dans l'est, que dans le sud et tout. Ça peut être un axe de réflexion, effectivement. Effectivement. Romain, ton avis sur la question ? Bah, moi, le problème, c'est que je roule un peu tranquille le samedi. Moi, j'aime bien rouler calme le samedi, prendre un peu mes repères et puis attaquer après le dimanche. Après, si ça part comme ça, on s'habituera. Hein. Tu rouleras calme que le samedi matin ou le dimanche matin. Et puis, voilà, oui, voilà, on fera comme ça. De toute façon, tu n'as besoin que d'une montée, hein, tu me diras. Oui. Donc, oui, bon, bah, oui, oui, cumul, au final, oui. Si c'est comme ça, c'est bon. C'est bon. Oui. Allez, avant de passer à la suite de l'émission, vu qu'il nous reste quelques minutes, je voulais quand même vous demander, c'est la question que je pose à tous mes invités. Quel est votre meilleur souvenir à vous, à chacun de vous trois, en course de côte, Romain ? Moi, je vais en dire deux. J'ai la première montée à vue à fond, quand même. C'était magique. Et puis, bien sûr, le Mont d'Or en 2019, quoi. Et c'était un rêve éveillé, quoi. Forcément. Tu peux rappeler peut-être tes performances pour celles de ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé au Mont d'Or en 2019? Ben, au Mont d'Or, je gagne la classe à 3. C'était le record en championnat de France d'une classe. On était 24 dans la classe. Après, la météo, on était un peu de la pluie, du brouillard, on a un peu tout eu là, mais j'ai réussi à passer entre les gouttes, entre guillemets. Bon, ok. Chouette souvenir. Jérémy, ton meilleur souvenir à toi en course, ça serait quoi ? Voilà, pareil, un peu comme Romain, j'en aurais deux. Et bon, il y a le Mont d'Or avec le record, là, ça reste gravé. Et la deuxième course, c'est la pluie. Moi, j'adorais la pluie et c'est vu à fond sous la pluie. Quand je ne sais plus si je fais deux ou cinq au scratch, des voitures fermées. Et ouais, non, c'était... C'était top. Ok. Et toi, Maxence ? Eh ben moi, pareil, j'en aurais deux en tête. Le premier, c'était ma première course engagée en championnat de France de la montagne, du coup au Mont d'Or, qui est quand même une course mythique qu'on m'avait longuement vanté les mérites. Donc, en effet... La première fois que j'ai fait le Mont d'Or, c'était juste fou. Les virages me sautaient à la tête et j'étais vraiment comme un gosse. Et puis j'avais quand même la pression. Je voulais quand même bien faire aussi pour ce début de championnat. Donc Maxime gagne le samedi et je finis deuxième derrière lui. Donc là, c'était un super souvenir. Et puis, bien sûr, le dimanche, je remporte la classe à 3 avec un bon chrono aussi pour ma première participation sur le Mont d'Or. Donc là, j'étais vraiment, vraiment très, très satisfait. Et puis après, le meilleur souvenir que j'ai de cette saison et du championnat de France de la montagne, c'est la dernière course de bagnole le dimanche où... Maxime m'a mis une tollée le samedi. J'arrivais sur cette dernière course en leader du championnat. J'avais creusé un peu l'écart à Turquem, même si j'avais pas beaucoup d'avance. Et puis, du coup, le samedi, on connaît Bagnoles, c'est assez serré, c'est assez technique. Donc, du coup, il fallait pas faire d'erreur non plus. Donc, le samedi, j'étais pourtant à l'attaque. Mais un peu sur la réserve, et là j'ai vite compris que le dimanche fallait se réveiller vraiment vraiment, et là j'ai vraiment changé d'état d'esprit et je me suis vraiment mis en mode compétiteur à fond, et puis j'ai tout donné sur cette montée, et puis j'arrache le record et la victoire du championnat de France. Donc
Donc j'étais trop content, voilà. Normal, normal. Non, mais c'est Vois ça. ma vidéo où je suis Ouais. comme ça pendant à peu près 35-40 secondes sans C'est ça. m'arrêter, les gens ont dû croire que j'étais complètement dingue. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur souvenir. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté de reparler de toute cette belle époque. C'est pas terminé, hein, on n'en a pas tout à fait terminé, parce que vous le savez, l'étape d'après dans Inside, c'est le quiz dédié à la course de côte, dédié au sport auto et dédié, bien sûr, à la Clio Cup. Vous vous en doutez. Romain, Maxence, Jérémy, est-ce que vous êtes prêts à répondre à mes questions? Oui. Ça va? Vous êtes prêts? Vous avez révisé? Bon, on va voir si vous êtes des experts de la Clio Cup. Première question, justement, est-ce que vous êtes capable de me donner l'année lors de laquelle s'est déroulée la toute première saison de Clio Cup France sur circuit, du coup? Alors, on va essayer de s'approcher au plus près, hein. Vous allez me faire une proposition chacun et on va voir qui est celui qui se rapproche le plus. Romain, est-ce que tu veux commencer? Je vais dire 2001. 2001, ok. Jérémy? Ouais, je crois, ouais, 2001, ouais, il me semble que c'est la première année. Ok. Maxence? Bon, bah, moi, je voulais dire 2020, 2002, donc du coup, bah, je pense que mes confrères sont plus calés que moi. Alors, la réponse est la suivante. En réalité, il y a eu deux phases de Clio Cup. Donc, la vraie première saison de Clio Cup France, c'était en 91 à l'époque. Donc, ce n'était pas le Aïe, Moto2 Cup. ah oui, Voilà. là, oui, là, Et oui. Et la première. Clio Cup, comme vous la connaissez, elle est revenue en 2004, très précisément. Voilà. Ok. Après la Mégane, notamment, il y a eu l'époque de Mégane en circuit à la fin des années 2000. Deuxième question, on va toujours rester en circuit, mais c'est juste pour voir si vous avez maîtrisé un petit peu le sujet de la Clio Cup. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom du pilote qui est le recordman du titre de champion de France Clio Cup sur circuit? Pense Nicolas Milan. Ouais, exactement. Bonne réponse de Jérémy. Nicolas Milan avec 6 titres, dont un obtenu l'an dernier, du coup, en 2020, parce qu'il a repris sa couronne en 2020. Effectivement, 6 titres, c'est l'homme fort de la Clio Cup. Belle réponse de Jérémy. Allez, on va reparler un petit peu de course de côte, quand même, parce que c'est un petit peu le sujet de l'émission, hein, au cas où vous n'étiez pas au courant. Ma troisième question est la suivante. Alors, on parlait tout à l'heure du nombre de Clio Cup qui étaient engagés au Mont-d'Or, justement, en 2019. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire, messieurs, combien de Clio Cup, donc Clio 2, Clio 3, Clio 4 Cup, étaient engagés au Mont-d'Or cette année, enfin, du moins l'année dernière, pardon, en 2020? Alors là, Donc, classe A3 et classe A4, hein, comprise, hein, du coup. moi je fais mouche. Hein. 14. Moi j'aurais dit 14. 14 pour Maxence. Romain, qu'est-ce que Moi tu je aurais peux dit? dire 12. 12. Jérémy? Ouais, une quinzaine, ouais, 15, ouais, allez. Bon, on a le vainqueur du juste prix. Il va repartir avec la vitrine. C'est Maxence. Voilà, c'était 14. Très précisément. Voilà, entre les 2, les 3 et les 4, c'était 14 Clio Cup, effectivement, engagé au Mont d'Or en 2020. Allez, on va continuer ce quiz. Et ma question 4 est la suivante. La prochaine manche du championnat de France qu'on est censé découvrir, ça sera la Pommeraye. La dernière fois qu'on est allé à la Pommeraye, c'était en 2019. Est-ce que vous êtes capable de me donner le podium de la Clio Cup à la Pommeraye en 2019? Alors, je sais que c'est chaud, il y a un piège parce que vous n'y Élie étiez pas. Théophile premier, non? Alors, victoire d'Élie Théophile, effectivement. Après, C'est ensuite que ben. ça se corse. Il y a peut-être des locaux là-dedans, je sais Et pas. peut-être, 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 Ouais. peut-être. Ouais, Allez, je vous moi, donne le deuxième. Le je deuxième, c'est connais. Nicolas Clay. Ok. Et le troisième, du coup, alors le troisième, on le connaît un petit peu plus. Martinet? Non, pas Martinet. Avec une auto bleue et jaune. Moi, je connais pas. Moi, je Un vois certain pas. Laurent. Ah, Laurent Lafosse. Laurent Laurent Lafosse, Lafosse. voilà, exactement. Laurent Lafosse, troisième à la Pommeraye en 2019. Et dernière question, puisque vous le savez, je vous donne toujours à la fin de mon quiz le nom de l'invité, enfin de mon premier invité de l'émission de la semaine prochaine. Donc la semaine dernière, on a fait deviner Maxence, hein, en l'occurrence, avec une énigme fabuleuse, avec une charade incroyable. Alors on va voir si vous êtes capable, messieurs, de me trouver le nom de mon premier invité de l'émission de jeudi prochain. Alors, mon premier est le prénom d'un inconnu. Mon deuxième est le quart
Et le quart, ouais, c'est ça, le quart, pardon, je n'arrivais pas à relire mes notes. Et le quart de 2, de 8, pardon. Je me suis emmêlé. Le quart de Merci, 8, Pierre. le quart de 8. Mon troisième est le nom d'une ville, justement, dans laquelle l'un de vous trois est né. Et mon quatrième, c'est justement ce que devient le E quand on y met un accent. Je vous refais tout? Oui. Donc, le prénom d'un Oui. inconnu. Le prénom d'un inconnu. Ou d'un des inconnus, si vous voulez. Voilà. Ensuite, le quart de 8. L'un de vous y est né. Est-ce que devient le E avec un accent? Je peux un peu spoiler parce que Nico m'a un peu dit l'émission, la prochaine Ah émission, donc je pense putain. savoir qui c'est. C'est un gars de chez moi aussi, non? Ouais, c'est un Quoi, gars il de chez est toi, du ouais. Jura? Ouais, c'est un gars de chez toi, ouais. Pas trop loin, ouais. Effectivement. Je dis qui c'est, oui. Effectivement. Allez, prénom d'un inconnu, Didier. Un gars de chez Romain. Deux. Deux. T'es né où, Nice. Maxence? T'es né à Nice? Nice. Voilà. Et le E avec un Denise. accent, Denizé. Denise. Voilà, c'est ça, Didier Denizé. Ok. Ouais, je sais, j'ai abusé. C'était un peu dur. C'était un peu dur. Donc c'était ça. Alors, c'était pas Didier Chaumont, effectivement. On avait Jérôme Janis qui disait Didier Chaumont, mais non, c'était pas Didier Chaumont, mais Était on chez invitera moi. Didier Chaumont, ouais, exactement, Jérémy. On invitera Didier Chaumont très prochainement dans une émission. Les amis, il est 19h58. On n'est pas très très loin de rendre l'antenne. Je voulais juste terminer cette émission en vous laissant le mot de la fin. Vous allez pouvoir remercier qui vous le souhaitez. Romain, si tu veux commencer, c'est à toi. Moi, je vais remercier mes parents, mon frère, toute la famille Aubry, donc toute la team des Montagnards Fous pour le coup de main à l'assistance pendant les courses. Je veux aussi remercier pour le coup de main aussi pour la voiture, le garage d'Arbo, Fabien et Laurent et Bruno. Et puis aussi à tous les copains que je vois qui m'ont des messages là, la team Zinzin. Nico aussi pour les photos. Eh oui. C'est des bons souvenirs. Et voilà quoi, en espérant tous vous revoir sur une course. Bah écoute, Enfin. on espère aussi, et puis on espère justement aller du côté de Viafan. Il y a eu un petit changement, justement, on en parlait la dernière fois à la tête de l'épreuve, donc on a hâte, en tout cas, on espère pouvoir y aller. Jérémy, ton petit mot de la fin? À moi, déjà, merci de m'avoir invité, Pierre, hein, parce que c'est top de pouvoir échanger sur ce sujet après tant d'années passées dans la Clio. Et après, bah, remerciements évidemment à mes parents qui m'ont permis de pouvoir évoluer là-dedans. Et puis bah, toute l'équipe de la course de côte en général, hein, et plus particulièrement la famille Bourgeon et la famille Crugnot avec qui on a passé d'énormes souvenirs. Enfin, d'agréables moments et tellement de bonnes choses en côte, sur la piste et dans les zones dehors. Donc, alors, franchement, top. Et puis, bah, une chose à retenir, je pense, c'est vraiment la bonne ambiance de la course de côte et du sprint final. Voilà. Ok, top, top, top. Mais merci à toi, Jérémy, en tout cas, de ta venue. Maxence, je te laisse le dernier mot de la fin. Ouais. Bah, moi, je tenais en effet à te remercier, Pierre, pour l'invitation. Et puis ensuite, bah, bien sûr, remercier toutes les personnes qui sont autour de nous dans ces projets, mes partenaires, mais aussi la famille Doja aussi, qui est pleinement investie, et tout le team Dolce Vita, d'ailleurs, avec lequel on partage avec Maxime. Donc voilà, et puis, remercier tous ceux qui m'ont accueilli en 2020, les concurrents et le championnat pour cette belle aventure qui, je l'espère, continuera. Et puis, de vivre en 2021 ces moments de course qui sont juste exceptionnels et qui nous permettent de garder des souvenirs voilà, à jamais. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui contribuent à mon épanouissement sportif. Voilà. Magnifique, magnifique, quel poète, quel artiste. Merci beaucoup Maxence et merci à tous les trois en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était un plaisir. Les amis, vous l'avez compris, on se donne rendez-vous donc jeudi prochain, même lieu sur Inside Hill Climb et quasiment à la même heure puisque ça sera également à 19h. Émission spéciale R5 Turbo, vous le savez. Et donc c'est pour ça qu'on sera avec notamment Didier Denizet. Les amis, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous revoir très vite.
À bientôt. À bientôt. Salut Pierre. Salut. Ciao.